Prenez celle que vous voulez. Celle-là. Je voudrais voir votre argent avant. Et vous? Non. Vous avez une heure, pas une minute de plus. Mademoiselle? Je crois que j'ai autre chose qui pourrait vous plaire. Payer.
Votre éminence, quelles sont les conclusions de la police? Le rapport de toxicologie vient de nous être transmis, et il confirme que les jeunes étaient bien drogués. Ils étaient sous l'emprise d'un substitut de cathinone. Les jeunes appellent ça les selles de bain. Et qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de cocaïne et d'amphétamine. Qui est-ce? Une experte en phénomènes paranormaux. Je croyais que l'Église se méfiait de ces gens-là. Quand les circonstances l'exigent, nous sommes obligés de faire des exceptions. Les circonstances? Nous avons des informations que nous ne pouvons ignorer. Quelles informations? Une caméra a été retrouvée. Elle appartenait aux victimes. Vous n'êtes pas sans savoir que ce genre de preuve revient à la police. Ils ne doivent rien savoir à ce sujet. Si les gens apprennent que nous avons dissimulé une information de cette importance... Ce ne serait rien comparé à ce qu'ils diraient s'ils apprenaient ce qui figure sur ce film. Combien de personnes sont au courant pour ce film? Je suis le seul à avoir vu l'enregistrement. Et une fois que je l'aurai vu? Détruisez-le. Considérez que c'est fait. Je voudrais aussi que vous alliez au couvent avec Mademoiselle Chandler. Pourquoi faire? Pour les protéger. De qui vous parlez? Nous avons contacté un prêtre qui vit à Rome. C'est un exorciste. C'est une décision lourde de conséquences. Une dernière chose. Ne parlez à personne de cet enregistrement. Il a bien failli se chier dessus. T'as intérêt à effacer ce film, Jack. Sinon, je te pète la gueule. Non, plus on est, mieux c'est. Ouais, Jack sera là aussi. Ok. Tu veux qu'on passe te prendre? Non, je vais conduire. Il y a un endroit où je voudrais aller avant. Non, c'est une surprise. Ouais, trop cool, promis. On va en désintox. D'accord. Alors, on se voit plus tard, ok? Et, attends, ta sœur est libre, pas vrai? Allô? Toi, t'as intérêt à tout effacer. Je te préviens que si je me vois en train de chier sur YouTube, je te pète la tête. C'est effacé, t'inquiète. Tu sais quoi? Ce soir, ça vaudrait peut-être le coup que tu filmes. Millie vient avec sa sœur. Non, je fais pas de sextape. Ça aurait pu être marrant. Alors c'est quoi ton plan au juste? Tu veux les emmener au pub, leur saouler la gueule et leur montrer quelle bête de sexe tu es? Quel con.
Quel mec je suis pour emmener ces meufs dans un pub de vieux? Le genre de petit con qui craint pas d'être en concurrence avec des vieux qui ont envie de se faire trois jeunes nanas. J'ai une meilleure idée. On va leur foutre les jetons. Quoi, tu veux essayer de les violer? Mais non, arrête tes conneries. On va les amener au cloître. Tu sais, celui qui est désaffecté, on leur fout la trouille. Et ensuite, on les réconforte. On leur fait bien peur. Elles se jettent dans nos bras. Et à nous les gros câlins. On dirait que tu vas beaucoup t'amuser. Tu marches avec moi? N'importe quoi. Millie et moi, tu sais bien qu'on peut pas s'encadrer. Alors toi, tu vas sauter sa sœur toute la nuit, pendant que moi et l'autre, on va tenir la chandelle. Il y aura trois filles, tu te rappelles? Pas deux. Christine sera là aussi. Dans ce cas, je vais me préparer. Hé! Elles vont pas nous prendre pour des dégénérés si on fait ça. Mais non, ça va être trop cool. Tu n'es qu'un gros dégénéré. Oh, ma bitches in the back, say yeah, yeah. Ah non, tu sais quoi? Non. Mais t'es super moche. En tout cas, moi, je suis pas gros. Mais t'es super moche. Et toi, les t'es filles, obèse. Vous savez quelle est la capitale de la Suède? Pourquoi tu nous demandes un truc pareil? Ta sœur a l'air super timide, Millie. C'est Oslo et laisse ma sœur tranquille. Non, Oslo, c'est la Norvège. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Alors, où est-ce qu'on va au juste ce soir? On va dans le quartier de Little Venice visiter un cloître. Il y a très longtemps, c'était un couvent, mais après, c'est devenu une espèce d'église. C'est quoi la différence entre un couvent et un cloître? Oh, excellente question, j'en sais rien et j'en ai rien à foutre. Dans un couvent, les bonnes sœurs peuvent sortir, mais dans un cloître, elles n'ont pas de contact avec l'extérieur. Vous voulez qu'on vous en dise plus sur l'endroit où oh, on va? Oh oui, vas-y, Jack, je meurs d'envie de connaître l'histoire de ce cloître. Arrête de me foutre de ma gueule, je sais que tu t'en contrefous. Et l'endroit où on vous emmène ce soir a été interdit au public. Raconte-leur en essayant de leur foutre la trouille, du con. Le couvent a été construit en 1720 mais environ. Je crois qu'il t'a dit de nous foutre la trouille, pas de nous endormir. T'es nul, je vais leur faire peur, moi. Non, je suis pas nul. Le couvent a été construit il y a environ 300 ans, et là-dedans, il y avait toute la merde de la société, les prostituées, les cinglés, les orphelines. Les tocards comme vous derrière. Ouais, toi, ta gueule. Donc ces meufs étaient vendues à des mecs riches, et bien souvent, elles tombaient enceintes. Et du coup, la mère sup était pas contente et elle faisait tuer tous les bébés. N'importe quoi, ils ont tué tous les bébés ou est-ce que t'as vu ça, toi? Mais si, ils ont tué les bébés. Donnez-moi ce fruit du péché, je vous prie. Non! Laissez-lui! Rendez-lui son enfant! Je t'en supplie! Rendez-lui son enfant! C'est complètement faux, elle a tué aucun enfant. On m'a dit que les prostituées se suicidaient quand on tuait leur bébé. Les prostituées se suicidaient après qu'on ait tué leur bébé, d'où est-ce que tu sors ça? C'est n'importe quoi, t'as tout inventé pour faire Jack le malin. Jack, elle est nulle ton histoire. Je vous jure que c'est la vérité, j'ai rien inventé du tout. Moi je trouve qu'on devrait aller en boîte, ça craint franchement cet endroit. J'ai jamais entendu cette version. Alors toi t'as entendu quoi? Cool, personne m'écoute. Ah, tu la fermes s'il te plaît. J'ai entendu dire que les prostituées, elles mourraient plutôt de la syphilis. Bon alors, pourquoi on y va? Ouais, c'est super nul comme parce que c'est hanté, c'est cool. Il y a un vrai gamin dans ta tête. Moi, je veux voir les autres bébés dont Jack a parlé. Vous êtes de grands malades, tous les deux. Et arrête de nous filmer, toi. C'est nul, de toute façon, les endroits hantés. On sait que ce genre de truc n'existe pas. Et moi, je te dis que ça existe. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est interdit d'y entrer dans ce cloître. Mais on peut savoir où t'as eu toutes ces infos? Ils l'ont dit à la télé, alors ça peut être que vrai. Non, il y a une chose qui est vraie. Ils ont trouvé trois corps. Tous ont été assassinés, c'est pour ça que c'est interdit au public. J'ai aucune envie d'y aller. Arrête donc, on va juste rester devant. Tu rigoles, on va entrer, sans déconner, on entre. On va entrer dans la crypte. La crypte? Ça va être trop cool. Ça, c'est clair. Fantastique. Je pisse maintenant ou plus tard? Tu vas pas tarder à faire dans ton froc, alors garde-en pour plus tard. C'est dégueulasse, les mecs. Si quelqu'un nous voit, qu'est-ce que...
que ça peut bien foutre. J'ai vu aucun panneau interdit d'entrée. Je te signale qu'on en a déjà passé trois. Mais pas ça, malheureux, c'était filmé. Et par où on rentre? Je sais qu'il y a une porte qui ferme pas bien. On va se faire arrêter pour être entré par effraction. Mais non, n'importe quoi, il n'y a aucune effraction, justement. Alors, honneur aux dames? Va te faire foutre, on te laisse passer devant Jack. Ah ouais? Et depuis quand c'est toi qui décide? Je suis d'accord avec elle. Ouais, courage. Moi, je vote Laura. Non, Jack. Ça me pose pas de problème d'y aller, bande de trous du cul. Jack. Ouais? Fais bien gaffe à pas marcher sur les petits bébés. Pauvre con. Comment vous décrire cet endroit? Il y fait froid et il y a une drôle d'odeur comme dans la voiture d'Adam. À qu'est-ce que tu parles comme ça, Jack? Alors, vous vous décidez à venir, oui ou non? Attends, on est en train de voter. Maniez-vous! Oh, t'as peur tout seul? Je vous attends. On voit que dalle. Oh. C'est horrible cet endroit. Laisse la lumière. On dirait que t'as la trouille. Vous ressentez rien? Il fait froid. J'ai la chair de poule. On devrait pas rester ici. C'est vrai que c'est glauque. Vous êtes malade ou quoi? Cet endroit est génial! Mais... pourquoi il part en courant comme ça? Eh, nous laissez pas toutes seules! Venez! Venez voir! Qu'est-ce qu'il y a? J'en sais rien. C'est étrange comme truc. Eh, venez voir! Non, on s'approche pas, on voit très bien d'où on est. C'est un truc de ouf! Qu'est-ce que c'est? C'est la preuve qu'on n'est pas seul ici. Mais c'est quoi à la fin? Allez, viens, on s'en va! Eh, n'y touchez pas! C'est vivant? Regardez ça! C'est quoi? Eh, Pauvre con! Je risque d'attraper un virus, abruti! Si tu voyais ta tronche, ça vaut le détour, je te jure! Vous êtes vraiment trop con! Franchement, c'est nul! Mais on a fait ça histoire parce de rigoler! Parce que vous trouvez que c'est drôle! Je risque d'attraper une maladie. Vous serez content si j'ai on une hépatite. On est désolé. Espèce de con. T'inquiète, il va rien t'arriver. En tout cas, moi, je me casse d'ici. Pars pas, Billy. On a juste fait ça pour déconner. Moi, je pars avec elle. Bien joué, Adam. T'as réussi à tout faire foirer avec tes conneries. Je dis ça maintenant, mais tout à l'heure, tu te fondais bien la gueule. Jack! Qu'est-ce qui se passe? C'était pourtant bien ici. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la porte par laquelle on est entré. Ouais, et alors, il est où le problème? Le problème, c'est que la porte est verrouillée. Non, c'est pas possible. Peut-être qu'on s'est trompé de pièce. Non, c'est bien par ici qu'on est entré. Ouais, ça a pas l'air de vouloir s'ouvrir. Évidemment, il y a un verrou dessus, idiot. C'est encore une de tes stupides blagues. Laisse-nous sortir. Arrête de délirer, j'étais avec vous tout le temps, c'est pas moi qui ai mis ce verrou. Oh, alors si c'est pas toi, qui est-ce qui l'a verrouillé? Essaie de garder ton calme. Je veux juste sortir. C'est vrai, Millie, calme-toi. T'inquiète, on va réussir à sortir. Ah oui? Et comment? Bon, on va trouver une autre sortie. Quelque chose d'inquiétant. Kramer. Bienvenue à Londres, Père Antonio. Je crois savoir que nous allons collaborer avec une femme. C'est le souhait du cardinal. Il est plus moderne que certains. C'est assez peu conventionnel, mais néanmoins, ça me convient. Avez-vous déjà fait ce genre de choses? Si j'ai effectué des exorcismes. Ce sera votre premier? Oui. Le cardinal m'a parlé de la caméra. Alors, j'en déduis que nous ne sommes plus tenus au secret désormais. Détrompez-vous, j'ai juré de n'en parler à personne. Que vous a-t-il dit au juste? Que si jamais l'enregistrement était dévoilé, cela nuirait gravement à l'Église. On peut dire ça, en effet. Aucune inquiétude, ce ne sera pas la première fois que le battage médiatique dépasse la réalité. Il ne faut surtout pas penser que la réalité n'est pas incroyable. Je suis désolé de m'être mal exprimé. Ce que je veux surtout, c'est remplir ma mission. Avec tout le respect que je vous dois, je crois que vous allez avoir besoin de plus d'un « Je vous salue Marie » pour y arriver. Il est peut-être temps que je voie cet enregistrement. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Il a été détruit. Chandler?
Appelez-moi Grace, je préfère. Voici un prénom prédestiné. Paul Kramer. Alors, vous vous intéressez à nous ou à l'église? Père Antonio. Enchanté. Vous avez apporté des joujoux, est-ce que je vois? Des joujoux? J'en déduis que vous n'avez jamais travaillé avec quelqu'un comme moi. Je suis certain que vous n'avez encore jamais travaillé avec quelqu'un comme moi. C'est notre première fois, tous les deux. Je suis vraiment désolée. Mes mots ont dépassé ma pensée. Aucune importance. Moi aussi, j'ai mon petit matériel. Où est-ce que je me suis embarquée? Je crois que vous avez des documents pour moi. Oui. Signé et paraffé. Ce qui va se passer ce soir sera notre secret. Allons-y, Madame Chandler. Appelez-moi Grace. Merci. Bien. Nous nous installerons dans la chapelle. Ça ne s'est pas passé dans la crypte ? C'est plus près de la sortie. Écoutez, on devrait tous essayer de se calmer, on est en train de péter les plombs là. Tu veux essayer de nous convaincre que c'est normal que la porte soit verrouillée toute seule? Il y a différentes explications. Si ça se trouve, c'est le vent ou quelqu'un qui nous fait une blague, je sais mais pas. Mais c'était verrouillé de l'intérieur. Peut-être que c'est le gardien qui a fermé, j'en sais rien. De toute façon, je crois pas qu'on ait de raison d'avoir peur. Merde! Bon, alors, on réfléchit. Comment on va sortir? Il faut pas paniquer. Tu fais quoi, Laura? Je regarde si j'ai du réseau. Si on n'est pas sorti d'ici 5 minutes, je passe un coup de fil. Ah, parce que j'imagine que t'as le téléphone du serrurier qui bosse la nuit? Non, mais j'ai le numéro de la police, alors arrête de faire le malin. La police, ça craint. On verra bien ce que tu diras quand ils arriveront. De toute façon, moi, je vous avais dit que je voulais pas venir ici ce soir. Moi, je veux rentrer à la maison. Bon sang! Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, ça doit être Jésus. Au lieu de faire de l'humour, essaye plutôt de trouver une porte ouverte. Vous savez quoi? Je propose qu'on reste ensemble et qu'on se sépare pas, d'accord? Fermez. On fait demi-tour. Vous trouvez pas ça étrange? Qu'est-ce qui est étrange? Toutes les portes étaient verrouillées, à part celle par laquelle on est entré. Je vois pas ce qu'il y a de si étrange à ça. Ah oui, toi, y a rien qui t'étonne? Ce qui m'étonne le plus, c'est que tu vois les problèmes là où il y en a pas. T'énerve pas, Adam. Réfléchissons plutôt à ce qu'on va faire. Soit on continue à tourner en rond, soit on prend les escaliers. Pas question que je prenne les escaliers. Et moi non plus. Vous voulez sortir d'ici, oui ou non? Ce que je voudrais surtout, c'est sortir vivant. Si on était dans un film d'horreur, les fantômes nous diraient de pas prendre l'escalier. Ah ouais? Et quel est l'intérêt d'être venu ici si on va pas à l'intérieur de la crypte? Eh, venez voir! Est-ce que l'un d'entre vous croit en Dieu? Moi, perso, les églises, ça me fout les jetons. Y a pas d'endroit au monde qui m'effraie plus qu'une église. Même pas un cimetière? Bah quoi? J'essaye juste de vous dire qu'on pourrait être dans un endroit beaucoup plus flippant, c'est tout. Ça a assez duré. J'appelle la police. Super! Quelle excellente idée pour finir la soirée. C'est vraiment cool que Milly t'ait amené, on va se faire arrêter par les flics. Alors fais-nous sortir d'ici si tu veux pas que je les appelle. À toi de voir, je te laisse le choix. Je rêve, Jack, ou t'es encore en train de nous filmer? Je confirme que tu rêves pas, je filme. Pourquoi? On est enfermé dans une église hantée, c'est le moment où jamais de filmer ce qui se passe. Il serait temps de grandir, Jack. Tu devais pas appeler la police, Laura? J'ai plus de signal. Génial. T'as peut-être du réseau à l'étage. Ah ouais, voilà une idée de génie. On avait pourtant dit qu'on devait pas se séparer. Toi, qu'est-ce que t'as de mieux à proposer? Ça sert à rien de s'engueuler. J'ai quand même le droit de réagir quand j'entends une idée ridicule. En parlant d'idée ridicule, Adam, qui est-ce qui a voulu venir ici ce soir? J'ai rien à me reprocher, en tout cas. J'ai pas de raison non plus. Je pourrais savoir pourquoi c'est moi le seul responsable de ce qui nous arrive. Pauvre chérie. J'ai pas plus envie que vous de rester coincé ici toute la nuit. Je te rappelle que c'est Jack et toi qui avez voulu. Est-ce qu'on vous a forcé à venir? Non. Vous êtes venu de votre plein gré, personne vous y a obligé. Écoutez, soit on trouve une sortie, soit un endroit où il y a du réseau. Jack, quand est-ce que tu vas éteindre ta sale tête de caméra? Il faut que j'installe des caméras dans la crypte. Il vaut mieux que je vous aide alors. C'est là que les corps ont été trouvés? Oui. Vous devriez installer une caméra ici. Qui filmerait le couloir? Non,
elle filmerait cette porte. Elle est verrouillée. Je vais la diriger sur le couloir. Écoutez-moi. Dirigez-la vers la porte. C'est votre première fois ? Ma première fois, pourquoi ? La chasse aux fantômes. Je présume que ce n'est pas habituel pour le responsable de la sécurité que vous êtes. Non, il est vrai que c'est la première fois que je me retrouve dans cette situation. Vous êtes sûr que ça va ? Bien sûr que ça va. Pour que les hauts responsables de l'église nous aient demandé d'être présents tous les deux, c'est qu'il y a dû y avoir un sacré problème dans cette crypte. J'espère bien que non. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ignore ? Six caméras dans toute l'église. Comme ça, s'il y a quelque chose, on le verra. Et cet appareil sert à quoi ? Il enregistre les changements de température. Une caméra est capable de faire ça. Je vais tout faire pour y arriver. Et ça enregistre sans arrêt. Ça y est. Ça fonctionne. Et vous, qu'est-ce que vous avez apporté ? De l'eau bénite qui vient de Rome. Bénite par le Saint-Père en personne. Quand vous dites le Saint-Père, il s'agit du pape ? Êtes-vous catholique ou bien protestante ? Je ne suis d'aucune religion. Ah, j'imagine que vous devez bien croire à une vie après la mort. Je n'en ai pas encore trouvé la preuve formelle. Vous ne trouvez pas que vos doutes vont à l'encontre de votre travail ? Ça dépend de ce qu'on met derrière le mot doute. Vous avez déjà sûrement vu un phénomène que vous avez été incapable d'expliquer. Sauf votre respect, mon père. En quoi un phénomène inexplicable susciterait-il la foi chez moi ? Ce soir, vous changerez d'avis, peut-être. Nous pouvons commencer la bénédiction. Avec cette eau bénite et ton très précieux sang, fais disparaître tous les péchés, Seigneur. On sent des présences. C'est bien ce qu'on m'a dit. Je sens qu'il y a de nombreuses présences. Nous ne devrions pas nous trouver ici, mon père. D'ailleurs, cet endroit devrait être démoli. Les âmes en peine sont toujours présentes. Voilà qui m'importe un peu, mon père. Elles peuvent bien aller brûler en enfer. Je vous comprends. Mais si nous ne faisons rien, elles vont rester ici. Mon père, il faudrait une armée de prêtres pour les faire fuir. Il y fait beaucoup plus froid qu'ailleurs. Ce doit être le courant d'air. Vous ne ressentez rien ? Quoi ? L'atmosphère ? Oui, il est vrai que ça a un certain charme, je vous l'accorde. Avec cette eau bénite et ton très précieux sang, fais disparaître tous les péchés, Seigneur. Vous revenez déjà ? Paul ? Paul ? Du réseau ? Non.
Est-ce que l'un d'entre vous réussit à avoir du Wi-Fi? On a autre chose à faire que de se connecter à un réseau social. On aurait pu envoyer un email. T'as l'impression qu'on a l'air d'être dans un cybercafé? On n'a aucun signal, alors il y a peu de chances pour qu'on ait du Wi-Fi. Bien sûr qu'il n'y en a pas ici, mais on pourrait capter celui d'un voisin. T'es trop con, Jack. C'est bon. Moi, au moins, j'essaie de trouver une solution. Ça suffit, arrêtez de vous engueuler tous les deux. Il y a des toiles d'araignée, Jack, mais je confirme que j'ai toujours pas de Wi-Fi. Pauvre conne. Tout va bien? Je crois que ça ne pourrait pas aller mieux. Et vous, messieurs? Vous avez vu des choses intéressantes? Rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire. Eh bien, c'est plutôt inquiétant. Je dirais même que c'est de mauvais augure. Êtes-vous en train d'essayer de me dire quelque chose? Je vous ai vu sur le moniteur dans la pièce. Ah! Big Brother nous surveille, hein? Il n'y a pas de quoi se faire le moindre souci. Je connais ces phénomènes. Il ne s'agit ni de fantômes, ni de gobelins. Il y a des moisissures et des toiles d'araignées. J'ai besoin d'une cigarette. Vous m'accompagnez à l'extérieur? Bien sûr, mon père. Merci, je ne fume pas. Peut-être, mais vous venez quand même. J'ai toujours pas de réseau. On continue à avancer? Oui, et cette porte est ouverte. Merde. Calme-toi. Merde. C'est pas grave, on va bien trouver une sortie. Ah, bah voilà une bonne nouvelle. On va tourner en rond dans l'obscurité pendant des heures. Y a quelqu'un dehors. Où ça? Là-bas, vers la voiture. On est enfermés à l'intérieur. Merde. Pourquoi est-ce qu'on est venu ici? Qu'est-ce que tu fais? J'essaye de voir si comme ça je peux avoir du réseau. Mais tu perds ton temps. Au lieu de rester ici, on ferait mieux d'aller en bas et de défoncer cette porte. Et avec quoi? Avec nos petits bras égotes, j'en sais rien, moi. On va bien trouver quelque chose, non? C'était quoi ce bruit? Et surtout, ne me dites pas que c'était le vent. On aurait dit comme une espèce de truc qui tombait. Va voir ce que c'est au lieu de rester planté là. Faut qu'on sorte d'ici. Faut qu'on sorte d'ici. Je vous dis qu'il y a quelqu'un ici. Ce qui veut dire qu'il y a forcément plusieurs portes ou fenêtres ouvertes. Qu'est-ce que tu racontes? Faut aller voir ce que c'est. Je bouge pas d'ici. Moi non plus. Allez, venez. Faut juste qu'on descende l'escalier. C'est mieux si on reste ensemble. Ce serait plus sûr qu'on reste tous ici. Bon, allez, on y va tous et puis on verra bien. Et ça fait longtemps que vous êtes... spécialiste du paranormal? Ce n'est pas le nom que j'allais employer. Paranormal, ça fait... Ça fait anormal. En quelque sorte. Je dirais 7 ou 8 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez jamais vu de choses inexplicables? Je n'ai croisé ni fantômes, ni gobelins, comme les appelle le père Antonio. Donc, depuis toutes ces années, vous n'avez rien vu qui justifie votre activité? Vous parlez comme ma mère. Ce que je veux dire, c'est... c'est que sans avoir trouvé la moindre preuve, vous avez sacrifié plusieurs années de votre vie à ce qu'on peut considérer comme un acte de foi. Permettez-moi de trouver étrange le fait que vous travaillez sans la moindre preuve. Pour quelqu'un d'aussi rationnel, ça a de quoi surprendre. Et pourtant, vous ne croyez pas en Dieu pour les mêmes raisons, n'est-ce pas? Mon père, vous êtes prêtre depuis combien de temps? Une vingtaine d'années. Et vous allez le rester? Eh bien, je suppose que oui. Vous avez peut-être raison. Cette porte était fermée. Peut-être que c'est à cause du vent. Ce n'est pas à cause du vent. Regardez la température. L'air est glacial à cet endroit. Vous êtes convaincu? Je suis désolée d'insister. Vous voyez Dieu derrière tout ça. Tous ces phénomènes justifient mon choix de carrière, pas le vôtre. Café? S'il vous plaît. Quelque chose m'a échappé. Vous allez faire comme si de rien n'était et boire votre café? Aucun de vous ne prend donc cette affaire au sérieux? Franchement, j'ai déjà vu bien pire. Paul? Café au lait? Je suis donc la seule à trouver que ce qui se passe ici est extraordinaire. Ça n'a rien d'ordinaire, mais je ne dirais pas que c'est extraordinaire. Ben ça alors? Qu'est-ce qu'il faut pour vous étonner?
Une jeune Italienne de 16 ans qui se met soudain à parler en araméen, un jeune garçon qui n'a jamais entendu le nom de Dieu et qui se met à avoir des traces de stigmates et des cicatrices sur la poitrine et le ventre. Alors pour vous, aujourd'hui, c'est un jour comme les autres? Non, en aucune façon, je veux juste dire que c'est sans danger. De toute manière, dans un bâtiment inhabité comme celui-ci, vous ne craignez rien du tout. Ne minimisons pas trop les choses quand même. Cette vieille église a plus à nous offrir que quelques portes qui claquent. Voilà qui est tout à fait rassurant. Combien de possédés avez-vous rencontré? À peu près une centaine. Une centaine, Seigneur. Désolée. Ce n'est pas grave. Paul? Quel est votre avis? Mon avis? Je n'ai aucun avis. Il n'y a aucun courant d'air. Rien du tout. Faut qu'on sorte d'ici. Mais putain, Jack, essaye de mieux nous éclairer avec ton bordel. Je fais ce que je peux, c'est une caméra de merde avec une lumière de merde. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Et merde! Qu'est-ce que t'as encore? Il y a une ombre. Ouais, bah alors, c'est la mienne. Non, c'est pas la tienne. Enfoncer la porte et se barrer d'ici. Où est Laura? Je croyais qu'elle était avec toi. Je l'ai pas vue, non. Laura? Donne-moi ça, toi. Laura! Non! Laisse-moi y aller. Non, pas toute seule. On va y aller ensemble. Laura! Allons-y tous. Pas question. Il faut qu'on aille la chercher. Je t'en supplie, Christine. Moi, je retourne pas là-bas. Quoi? Faut qu'on remonte, il faut pas descendre. Je veux pas la laisser toute seule. Mais elle s'est barrée. Elle est là où on était tout à l'heure. Alors pourquoi est-ce que tu réponds pas? Elle s'est barrée, je me dis. Mais je vais pas abandonner ma sœur. Et moi, je retourne pas là-bas. Répète ce que tu viens de dire pour qu'on en ait la preuve. Arrête de me filmer, tu me gaves. T'es un trou, y a rien, gros connard. N'y va pas, Jack. Jamais, je ne te le pardonnerai. Alors, Paul, pourquoi avez-vous décidé de rejoindre l'église? Je suis entré dans l'armée à l'âge de 18 ans. J'ai démissionné 12 ans après. Un poste s'est libéré au sein de l'église, j'ai postulé. Oui, mais pourquoi avoir choisi l'église? J'ai effectué mes derniers jours au sein de l'armée et nous étions en mission de combat. Nous manquions de munitions et on était en sous-effectif. Ça a été un massacre épouvantable. On a subi une attaque. Et on a eu chaud aux fesses. On a dû tenir jusqu'à ce que les renforts arrivent. Ouais, j'ai été touché. J'ai bien cru que c'était fini. Il y avait un prêtre dans notre régiment. Il veillait sur nous. Il soignait ceux qui étaient blessés. Et nous redonner espoir. De l'espoir alors qu'on était découragés. On n'y croyait plus. Et c'est avec tout cet espoir qu'on a retrouvé la force de se lever et de se battre à nouveau. Notre victoire, nous la devons à ce prêtre. S'il n'avait pas été là, je serais mort aujourd'hui. J'ai décidé de quitter l'armée quelques temps après. Je n'ai jamais oublié ce prêtre. Alors, quand un poste s'est libéré au sein de l'église,
j'ai postulé. Le reste est sans intérêt. C'est certainement plus sensé que de choisir de suivre un cours parce que le prof est séduisant. C'est fou ce que je suis futile. Quoi que ça ait pu être, ça s'est évaporé. Mon père, le moment est venu de commencer. Commencer quoi ? L'exorcisme. L'exorcisme ? Il faut que nous sachions où se situe l'activité. On ne m'avait pas dit qu'il y aurait un exorcisme. Ça, c'est nouveau. Elle était fermée tout à l'heure. Laura ? Tu veux continuer ? On ne peut pas la laisser tomber. Oh, bordel de merde. Laura ! Réponds-moi, je t'en supplie. Réponds-moi. Moi, je reste pas une seconde de plus ici. On va jamais réussir à sortir d'ici, putain! C'est une chose de surveiller un bâtiment, mais c'en est une autre de se retrouver en plein exorcisme. Qu'est-ce que ça peut changer ? Vous n'êtes pas croyant. J'ai dit que j'étais indécise, pas que je m'en moquais. Ça va bien se passer. Dès que l'un de vous deux commence à vomir un liquide vert, je vous préviens, je me sauve. Je me demande pourquoi je suis encore ici, d'ailleurs. Vous voulez bien me le dire ? Vous savez pourquoi vous êtes là. Nous devons nous assurer que l'église est nettoyée. Voilà pourquoi vous êtes là. Je suis pas là qu'en observatrice, alors ? N'est-ce pas ce que vous attendez depuis 7 ou 8 ans ? Je n'aime pas qu'on me mente. Paul, vous saviez qu'on cherchait à éclaircir le mystère. Ça, je le savais, c'est le reste que je savais pas. Si je dois participer à ce bon dieu d'exorcisme, j'ai le droit d'être... Grâce. Pardonnez mes blasphèmes. Maintenant, ça suffit. Venez voir l'écran. On est dans quelle pièce ? C'est la crypte. Au fond du couloir. Nous savons où ça se situe. Restez avec Grace. N'y allez pas seul. Grace doit rester ici pour surveiller les écrans. Vous préférez la laisser toute seule ? Je suis pas une gamine. Je me demande dans quel pétrin vous êtes en train de nous mettre. J'ai déjà vu pire que des chaises qui se déplacent toutes seules. C'est sérieux, je vous préviens. Vous n'avez qu'à me suivre sur l'écran. S'il y a un problème... Envoyez la cavalerie.
son esprit. Ô Saint-Michel Archange, défends-nous dans le combat. Refoule Satan en enfer. Puisses-tu, prince du ciel, gardien très fidèle de l'Église, refouler tous les esprits. Amen. Avez-vous déjà entendu ce genre de choses? Jamais. Dieu soit loué, cœur sacré de Jésus. Oh, Jésus. Ainsi soit-il, prince de la cour céleste par le pouvoir de Dieu. C'est ça qui vous inquiétait? Contre quoi avez-vous essayé de me mettre en garde? Il y a une présence beaucoup plus hostile qu'il ne croit. Que s'est-il passé ici? Refoulez en enfer Satan et tous les autres esprits mauvais! Chassez tous les esprits mauvais qui sont répandus dans le monde pour perdre les âmes! Ainsi soit-il, cœur sacré de Jésus! Amen! Expliquez-moi ce qui vous arrive. On est enfermés dans un cloître. Une de nos copines a été tuée. Et on risque de tous y passer. Allô? 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 Ça va? Ça va, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu des voix et je me suis senti mal. Des voix? Je reconnais... que je n'avais jamais vu ça avant. Bah, c'était pas plus rassurant ici. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Les caméras sont éteintes, les meubles se déplaçaient tout seuls, les lampes ont lâché. Quoi que vous sachiez, il faut absolument nous le dire. Je suis vraiment désolé. C'est impossible. Comment ça, c'est impossible? Si ma vie est en danger, j'ai le droit de le savoir, sinon je m'en vais tout de suite. Franchement, je suis d'accord avec Grâce, moi. Il est temps que vous nous disiez ce qu'on est en droit de savoir. Écoutez, vous ne devez révéler à quiconque ce que je m'apprête à vous dire. À qui voulez-vous donc que je le dise? On a retrouvé une caméra. Il faut qu'on s'en aille. Nous devons finir le travail avant. Comment voulez-vous finir ce qu'on a commencé? Je n'ai jamais dit que ce serait facile. Il faudrait déjà qu'on vous conduise à l'hôpital. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Je vais très bien. Enfin, réfléchissez. Tout ça n'est qu'un début. Ce qui va suivre risque d'être encore bien pire. Il nous faut rester fort. Paul!
Tous vos instruments sont HS ? Les thermomètres fonctionnent, mais sinon tout le reste est hors d'usage. Ce serait mieux si on pouvait finir le travail. C'est faisable ? Il le faut. Quelque chose va arriver. La température est tombée. C'est dans la crypte ? Non. Dans toute l'église. Il faut sortir d'ici pendant qu'il est encore temps. Nous ne pouvons pas laisser cet endroit dans cet état. Il faut qu'on finisse ce soir. On va faire vite. On va tous dans la crypte. On fait ce qu'il y a à faire et on ressort aussitôt. Allons-y. Le Christ soit avec vous. Vous avez fait quoi ? On n'a rien pu faire. Christine est sortie de la pièce, je l'ai suivie. Où ça ? Sans lumière, je voyais pas où elle allait. Je l'ai suivie à l'oreille. Et tout d'un coup, j'ai plus rien entendu. Il faut qu'on la retrouve. Tu sais où est Millie ? Elle n'a pas survécu. Alors on va tous crever ici? J'ai réussi à avoir du réseau et à contacter la police. Ils arrivent. Ils arrivent? Je suis pas sûr, on a été coupés. Mais j'ai réussi à leur dire où on était, alors ils vont certainement nous envoyer les secours. Je crois que j'ai trouvé une sortie. On va réussir à sortir. On peut pas partir sans Christine. Elle a disparu. Mais on va la retrouver. Qui est là ? Il y a quelqu'un ? Glorieux Saint-Michel, par le pouvoir du Seigneur, fais disparaître tous les péchés et refoule en enfer Satan et tous les autres esprits mauvais qui sont répandus dans le monde pour perdre les âmes. Amen. Persévérez dans la foi du Seigneur et dans le cœur sacré de Jésus. Persévérez dans la foi du Seigneur et dans le cœur sacré de Jésus. Ça marche. Ça n'a pas l'air. Sans
te Michael Arcangele, defendenos in proelio. Christine! Où est-ce que t'es, Christine, bordel de merde? Christine! Qu'est-ce qui va nous arriver à nous? Comment ça? Est-ce qu'on va aller en enfer pour nous punir d'avoir amené les filles ici? Arrête tes conneries! Je suis sûr qu'on va crever ici, nous aussi. Arrête, je te dis! On va réussir à s'en sortir vivant. Il faut y croire! Et après, on fera quoi? Franchement, j'ai pas encore eu le temps d'y réfléchir. Christine! Comment on va pouvoir convaincre les autres qu'on y est pour rien? Personne va nous croire! Si t'arrêtais un petit peu de ne penser qu'à toi, aide-moi plutôt à retrouver Christine et les autres, au lieu de te lamenter sur ton sort. Ils ont été tués! Venir te rendre visite. Seigneur! Que le Seigneur ne soit pas avec toi. Divina virtute! Sortez, Père Antonio! Infernum! Détrudé! Amen! Père Antonio! Je sais bien que c'est la culpabilité qui te pousse à vouloir essayer de les sauver toutes les trois, mais elles sont mortes. Alors tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de nous en sortir. T'en sais rien si elles sont mortes. Tu l'as dit toi-même tout à l'heure, Millie a disparu et les autres aussi. Et nous on est ici en train de tourner en rond dans le noir et on risque de finir comme elles. Si t'as envie de sauver quelqu'un, c'est à toi que tu t'es arrêtes de dire n'importe quoi et bouge-toi un peu, abouti. Éteins cette putain de caméra. Refoulez en enfer, Satan et tous les autres esprits enragés. Père Antonio. Au nom du Christ. C'est le Christ qui vous envoie. C'est notre Christ, le plus grand des esprits, des portes du paradis jusqu'au brasier de l'enfer. Maintenant, quittez la maison du Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la puissance du Seigneur vous fasse disparaître tous! Que la puissance de notre Seigneur soit plus forte que le malin! Père Antonio! Allez-vous-en d'ici! Elles n'ont plus allé nulle part sans passer d'abord devant nous! Mais elles se sont pas évaporées quand même! Christine! Où es-tu? J'arrive! Tiens bon, Christine! Continue à parler pour qu'on puisse te localiser! Parle-nous, Christine, vas-y, crie! Bordel de merde, c'est fermé! Christine, continue à nous parler pour nous guider jusqu'à toi! Attends, qu'est-ce qu'il y a? Oh, Seigneur!
Angelica! Defendenos! Sancte Arcangelica! Defendenos in volo! Sancte Michael Arcangelo! Defendenos in volo! Au nom du Père! Au nom de notre Seigneur! De son Fils et du Saint-Esprit! Pars d'ici! Satan, sors de ce corps! Satan, sors de ce corps! Sors de ce corps! Que l'Esprit Saint habite à nouveau! Satan, sors de ce corps! Sors de ce corps! Satan, sors de ce corps! Sors de ce corps! Satan, sors de ce corps! Satan, sors de ce corps! Satan, sors de ce corps! Sors de ce corps! Dieu. Christine. Je suis désolé. J'ai vraiment rien pu faire. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Laura! Parle-moi, s'il te plaît! Seigneur! Thank you.
Je me suis équipé. Maintenant, on va sortir d'ici. Appel à toutes les unités, il y a une série de meurtres dans le quartier de Little Venice. Appel à toutes les unités, il y a une série de meurtres dans le quartier de Little Venice. Appel à toutes les unités. Appel à... Un instant, s'il vous plaît. Je tiens à vous remercier pour m'avoir sauvé la vie. Par deux fois. Ce n'est pas nécessaire. Comment ça, ce n'est pas nécessaire? Bien sûr que si, ça l'est. Que va-t-il advenir de cet endroit? Je crains qu'il ne puisse être sauvé. Il va falloir suivre votre conseil. Quel conseil? Il faut une armée de prêtres. En attendant, je vais m'assurer que personne n'entre dans l'église. Prenez soin de vous. Que le Seigneur vous protège. J'ai un cadeau pour vous. Un cadeau? Merci. Je suppose que vous n'avez pas mes caméras. Non, mais allez à l'intérieur. Je préfère vous attendre ici. Et moi, je préfère attendre que l'armée de prêtres soit là. Je vous comprends. Quelque chose m'intrigue. Tout à l'heure, quand le père Antonio était possédé, vous lui avez parlé en latin. C'était la prière à Saint-Michel. Si vous le dites, j'ai été très étonnée de vous entendre parler en latin. Comment se fait-il qu'un responsable de la sécurité connaisse une prière d'exorcisme en latin? J'ai fait des études afin de devenir prêtre. J'ai dû apprendre toutes les prières qui servaient aux différents rites religieux. Je n'aurais jamais imaginé utiliser celle-là. Ça, je m'en doute. Vous voulez que je vous dise, j'ai eu un drôle de pressentiment quand je suis entré dans cette église. Vous, un prêtre? J'avoue que c'est difficile à croire. Oui, je n'étais pas fait pour ça. Finalement, j'ai changé de voie. Vous avez eu raison. Parlez-moi de vous. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous avez trouvé des preuves? Grâce. Appartenait aux victimes. Personne ne doit jamais en avoir connaissance. C'est ici que les corps ont été trouvés? Qui étaient les gens qu'on a retrouvés? Un prêtre qui venait de Rome, une spécialiste du paranormal et le responsable de la sécurité de l'église. Assassiné. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qui était sur l'assassinat d'un groupe de jeunes qui étaient venus faire la teuf dans l'église. C'est une affaire qui était liée à la drogue. Les jeunes étaient bien drogués. Ils étaient sous l'emprise d'un substitut de catinone. Mais si c'est une affaire qui n'a rien à voir avec les sciences occultes, qu'est-ce qu'une spécialiste du paranormal et un exorciste faisaient là? Il faut qu'on s'en aille. Ne
doivent rien savoir à ce sujet. Si les gens apprennent que nous avons dissimulé une information de cette importance... Ça ne serait rien comparé à ce qu'ils diraient s'ils apprenaient ce qui figure sur ce film. Si jamais l'enregistrement était dévoilé, cela nuirait gravement à l'église. Nous nous installerons dans la chapelle. Ça ne s'est pas passé dans la crypte ? Moi, je pense qu'on ne devrait pas y aller. C'est plus près de la sortie. Vous avez vu ? Et ça encore, ce n'est que le début. Ce qui va arriver maintenant ne pourrait être que pire. Bon, c'est ici. Oh putain, je sens que ça va être trop génial. Ça a l'air sinistre, je vais pas là-dedans. Legalized prostitution, gambling.